Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur Scarface pour la suite et fin de l'aventure, toujours avec le boss Tony Montana. Aujourd'hui, nouvelle mission, on va tout droit vers cette île qu'on n'a encore jamais découverte. Il me semble que la mission s'appelle Tranquilandia. Exact. Le cartel Ortega s'est emparé du laboratoire du marchand de sable, il faut le reprendre. Eh ben écoutez, allons-y tout de suite, logiquement, il ne nous reste que 2-3 missions dans le jeu. Donc on devrait pouvoir terminer tout ça aujourd'hui, un let's play qui mine de rien est super cool, j'aurais aimé qu'il ne s'arrête jamais. Mais écoutez, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est le paradis, pas de doute. Alors tu m'en veux pas mais j'en ai quelques-uns. Allez à la cage d'armes. Ok. Attends, je vais essayer de foncer parce que j'ai des points rouges partout. Oui sauf que non. Sauf que non apparemment, l'objectif est à gauche. Oui, tire mon bras, tire. On va essayer d'accoster hein, si possible. Attention, je vois des tonneaux. Est-ce que je peux... Voilà, quitter le bateau, super. Allez. Où êtes-vous? On est à l'intérieur. Très bien. On se tape par-ci. Merci le lock. Je vous le dis, c'est le top. Ok. C'est un méchant ça? Je crois bien oui. Saligo. Et qu'est-ce que tu fous là-dedans? Tu t'es enfermé tout seul? Ouvrez la porte. Trop tard pour celui-là. Ah zut, on aurait pu le sauver? Je sais pas. Oh, des armes. Ce qu'il y a, c'est que je suis très très bien équipé. Moi, je suis très bien comme ça. Ouais, je pense qu'on va rien changer. Honnêtement, par contre, je reprends des mules. Bien sûr, avec plaisir. On va rester avec le Mac 10, etc. C'est très bien. Attention au tonneau. J'ai envie de me faire exploser la tronche. Ah, tu en vois en face. Ça aurait été pratique d'avoir le snipe, effectivement, ici. Attends, je vais échanger juste mon arme vite fait avec le Desert Eagle. Ouais, je vais le changer avec le sniper. De toute façon, je m'en sers jamais, donc. Ça marche pas? Ah si voilà, je me disais aussi tu me prends un petit peu comme pour un con hein. C'est pas bien. Ok. Attends, là, je me trompe de touche. Alors n'oublions pas qu'on peut faire sauter ça aussi. Ok. Ça c'est du propre. Salaud. Ah ils ont des mitrailleuses en plus. Petit coquin. Hop, ça saute, démembré. C'est dégueulasse. Touché. Ah c'est génial le sniper quand même. Finalement on s'en est très peu servi dans le jeu. Parce que c'est vrai que ouais ça manque je trouve de dynamique comme arme. Mais sinon à part ça c'est quand même vachement intéressant. Donc le Desert Eagle ouais je vais le laisser ici hein, de toute façon on s'en fiche. Il y a de la vie à récupérer mais j'en ai pas besoin. Du coup on va continuer. On a notre moissonneuse batteuse du plaisir. Je vais récupérer le bateau. Bah ouais, en plus c'est toujours mon collègue qui m'attend. Donc pour l'instant c'est impeccable. Le seul truc c'est qu'on ne peut toujours pas avancer non. Attends, je vais essayer, mais il me semble qu'on peut pas avancer, hein. Non. C'est bloqué. C'est dommage, ça. Oh merde, il y a des mecs à droite. Aïe, aïe, aïe. Attends. Bon, cette fois-ci, on fonce. Pas le temps de niaiser. Coucou. Ah non, pas le sniper, pas le sniper. Qu'est-ce que tu fous? Je me trompe d'arme. Mon Dieu. J'ai tellement le choix que je ne sais plus ce que je fais. Et si je t'ai vu dans la baraque... Vous payez en vacances ou comment ça se passe? En même temps, bon, vu ma tenue, on pourrait en douter. Mais non, on est là pour le travail. Si on peut appeler ça un travail. Allez. Maintenant, bah attends, ils me mettent un objectif là-bas. C'est bizarre ça. Ah, mais attends. On peut progresser à gauche? J'avais pas fait gaffe. Ok, en fait, je suis venu ici pour rien. Bravo le veau. Allez. Au moins, on a tué les petits derniers qu'il y avait là. Mais donc, il doit y avoir un passage de l'autre côté. Attends, mais... Je comprends pas. On peut pas aller plus loin, là? Ah, mais... Je suis débile ou quoi? Il faut continuer par ici. Pourquoi la caméra, elle est aussi éloignée? C'est la première fois de tout le jeu qu'elle est comme ça. Voilà, tu continues comme ça. Je prends... Ah, d'accord, c'est quand j'ai pas d'arme. Ah ouais, regardez, quand j'ai pas d'arme, la caméra, elle se tire. Ça, c'est énorme, quand même. Allez, on avance. Méfiance. Ok. Bon, on a tellement pris l'habitude du jeu que... Je pense qu'on va rouler sur les ennemis, quoi. Ou pas, hein. Facilement qu'on va en chier. Mais... Quelques doutes. Je vais péter là-bas. Il y a un peu partout des barils. Super cool. Là-bas aussi, je vais péter, guys. Putain, je vise mal, j'arrive même pas à faire exploser. Ah, je me fais toucher quand même. Attention. Ah, j'avais pas vu, je me faisais autant toucher. Tu sais quoi, on va les laisser venir. Non, en vrai, c'est dangereux. Hein. En vrai, très surpris. Ok, on y va en douceur alors. On change de stratégie, mesdames, messieurs.
On les laisse venir. Ok. Bon, ils sortent au fur et à mesure, ces enfoirés. Par contre, ils sont vaches nombreux. Tu vois qu'on commence à avoir une vie légèrement... une vie réduite. Vaut mieux attendre derrière un rocher. Comme ça, tu es tranquille. Rocher, rocher. Merci le rocher. Hein. Mon pote le rocher. Allez, on avance, les amis, on avance. Encore. Je vous attends. Découvrez-vous. Ouais. Ah d'accord, il est plus haut lui. Je pense que c'est bon. Vendiou. Oula, 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 oula. Ah, attends. On laisse venir, on utilise le snipe. C'est au choix. Je sais pas si j'en ai eu un. Bonne question. Laisse-nous encore approcher. Coucou. C'est géré. Voilà, on joue en mode défense, mais j'ai l'impression que c'est des vagues d'ennemis en fait, que ça ne s'arrête jamais. C'est la folie. La folie. Je l'ai eu. J'ai pas envie non plus de bouffer toutes mes munitions. Hein. Ok, je n'ai vu en haut, il y en a en bas aussi. Il y en a tout le temps qui arrive, quoi. Hallucinant. Ouh. Ok. Ouh. Headshot. Je crois que j'ai loupé celui-ci. Petite enfoirousse. On est d'accord qu'il y en avait un sur le toit, là. Pas exactement où il est, il y en a un aussi qui se ramène. On l'attend. Avec mes belles lunettes. Le mec vraiment en mode vacances quoi, alors qu'il a le monde contre lui. C'est incroyable. Ah mais c'est jamais fini hein. Attends, c'est bien par là. Ouais ouais, mais il y a tout le temps des ennemis, moi ça me trouve le cul ça. On n'est jamais tranquille, toujours le même sur le toit là-bas. Hein. Ouais d'accord. Et là. Allez dégage. Merci, au revoir. Petit salaud. Ouais, faudrait que je récupère du soin si possible. Je peux utiliser ma jauge de rage aussi. Ça, c'est bien. Ouh, des paquets de drogue. Super. Il y a 10 paquets à récupérer, apparemment. Est-ce que t'aurais de la vie là-dedans? Non. Par contre, des paquets de drogue, oui. D'ailleurs, il en reste encore un à récupérer, d'après ce que me dit le jeu. L'objectif, donc, il est par là. Hein. Le troisième doit être dans ce bâtiment. Yes. Nickel. Aller au camp indiqué, récupérer, d'accord, très bien. Ah ouais, ça va se suivre. Je pense qu'il y aura toujours un peu les mêmes objectifs. En tout cas, apparemment, on peut passer par là. Ouais, mais j'ai pas récupéré de la vie. Hein. Il n'y avait pas de soins. Ça, c'est pas évident. Ouais, mais c'est original par rapport à toutes les autres missions qu'on a eues depuis le début. J'avoue, il y a un petit côté lost. Bon, heureusement, il n'y a pas de monstre. Ouh là là. Ah, du soin. Ça, c'est sympa. En plus, avec des caisses de munitions, moi, je ne dis pas non. Putain, je me souviens encore de la... Attention. Je me souviens encore de la mission où j'avais... où j'en ai chié des ronds de chapeau alors qu'il y avait une caisse de munitions, tu te souviens, dans une pièce. C'était terrible. Ok. Quoi? Bah, je préfère. Prenez pour qui, les mecs? Je ne vois pas les autres. Je ne les vois pas, les autres. C'est assez embêtant. Mais ils vont venir ou comment ça se passe? Ok, gringo. Venez par ici. Reste éloigné, hein, ce coup-ci. Hein. Ils veulent pas approcher. Ah, il y en a un qui tire de là, regarde. Touché. Ça progresse gentiment. Bon, en plus, il y a des caisses de munitions partout, donc on sera jamais à court. Hein. On n'aurait pas pu engager un gros brin, parce que bah, c'est vrai qu'on est seul contre, contre une armée, quoi. C'est embêtant. Bon, c'est là aussi qu'on voit qu'on est fort. Hein. Tony Montana, c'est vraiment. Vraiment quelque chose. D'ailleurs, hier, c'était les 80 ans. Les 80 bougies de Al Pacino. Et c'est marrant parce que c'est le 25 avril, c'est le jour de la Saint-Marc. C'est ma fête, donc c'est plutôt. C'est plutôt sympa, j'ai un petit peu de Al Pacino en moi. Surtout que, alors pour info, j'espère que je dis pas de conneries, son seul Oscar de sa carrière, c'était donc pour Le Temps d'un Week-end, le film. Qui était très sympa, même si c'est pas son meilleur de mon point de vue, même si sa performance d'acteur est incroyable, dans ce film en particulier. Enfin, tu me diras dans un peu tous, hein. Mais bon, il était exceptionnel dans celui-là, dans le rôle du vieux bourru.
Mais son Oscar, il l'a eu en 93, l'année de ma naissance. Et il est né le jour de ma fête, le 25, la Saint-Marc. C'est quand même fou, hein ? Ah, moi, je trouve ça cool. Je dois avoir un peu de Al Pacino en moi sans le savoir. Attention. On contourne un peu, hein. Salut toi là-haut. Bon, par contre, là, je vais droit dans le tas, hein. Waouh, waouh, waouh. Là, je pourrais activer le mode rage, mais je le garde pour plus tard, si possible, pour... jamais j'ai besoin de vie, quoi. Ouais, quoique là, je devrais rentrer dedans, ils sont je sais pas combien. Il y a un nid à l'intérieur. Ça pourrait être intéressant de l'activer ici. Allez. Salut. Wouh. Ah, je pense que j'ai bien fait, quand même. C'est pas fini, merde. C'est pas finish. Toi, t'y es. Y'a personne, là? Ok. Donc 4 sur 10. On peut reprendre de la vie. Alors attends un peu que je termine de faire le ménage, quand même. Je termine de faire le ménage et après, je prends la trousse. Il restera un ennemi, apparemment. Il manque 2 paquets dans ce camp. Oh, je pense qu'il y a que 3 camps, finalement. Hein. Ouais. Il doit y avoir que 3 camps. M'a fait peur. Mais t'es malade. Mais préviens, je sais pas, mais un warning, un truc. Ah, il m'a fait un petit coup de flip, là. Allez, je vais récupérer la trousse. Très bien. Recharge tes armes, tout ça, tout ça. Lui, on peut le... Hop. Le secourir. Bon, tu sors, gros ? Rester et défendre. Suivre et attaquer. Bah, viens avec moi. Je sais pas. Il vient ou il vient pas ? Ah ouais, il vient, mais il prend son temps, quoi. À distance réglementaire. Donc, est-ce qu'il nous aide ? Je pense, hein. Donc, où sont les autres paquets ? Ouais. Nous en manque encore un. Attends, je range mon arme. Ah non, parce que c'est chiant quand on range l'arme. Il y a la caméra qui se tire, c'est relou. Alors, est-ce que c'est dans cette baraque ? Non. Là, on a regardé. Bah, en fait, non, on n'a pas pu rentrer dedans, mais on peut pas, je pense. Eh, bonjour les textures, hein. Ah, je sais, il faut que je retourne là-bas, mais... Ah, mais je suis con, les bâtiments dans lesquels on peut rentrer, c'est en orange sur la carte. Suis-je bête ? Franchement. Donc là, je l'ai pris, on est d'accord ? Ah, mais à l'extérieur, regarde, putain. Voilà. Et là, on prend le bateau. On va voir comment c'est foutu. Ouais, on prend le bateau et on va jusque là-bas, je pense que c'est le dernier camp, hein. Il nous en reste que 3 à choper. Ah d'accord, il s'est téléporté jusqu'au bateau. Ok, original. Oula. J'adore cette mission. Elle est longue en plus. C'est marre ici. Oh, il y a quelqu'un. Oh lolo, ça craint. Oh là là. Descends vite. Wouah. Aïe aïe aïe. Oh, je suis mal. Très très mal les mecs. Laisse-les venir un petit peu. Laisse-les venir. Dégage. Ah, il y en a un dans l'eau. C'est une blague. C'est bon, je l'ai eu. Ah, le menu. Excusez-moi. Ça, c'est quand je commence à me crisper. Mais ça va être mortel, il y en a partout. Oh là là. C'est ouf, mais pour l'instant ça gère. Il nous reste très peu de vie et il faut rester zen, comme dirait Zazie. Restons zen. Ça arrive, ça arrive. Stratégie défensive. Hey gringo, putain, je pensais l'avoir tué. Là, ça fait mal, ça. Ça, ça fait très très mal. Mais ils sont combien ? Oh là là. C'est là que je me dis, j'aurais mieux fait de garder la jauge de rage, quoi. Putain, et ma vie qui descend au fur et à mesure, hein. A votre avis, est-ce qu'on va survivre ? Est-ce que vous pariez sur le fait qu'on survive ? Attends, je vous insulte un peu, comme ça au moins ça fait monter ma jauge de rage, même si là on n'est même pas à la moitié encore.
Ça pue grave. Et là-haut, le truc, c'est que dès qu'on va bouger, on va me tirer dessus. Hein. On est mal. Regardez, dès que je bouge. Ah, il est dans la tour. Oh lolo lolo lolo. Ah d'accord, mais je peux le lock. Ok, nice. Me voilà rassuré. Lui, c'est fait. Bon, j'ai un peu peur de ceux qui sont là-bas. Est-ce qu'on peut monter par là? Ah, mais on peut monter. Mais dites-le. Ok, mais déjà ça ouvre des possibilités, les mecs. Ok. Ah, il commence à gueuler, ça m'inquiète. Ok, je les vois. Bon, c'est comme ça, on fait pareil à la poudre. Ok, plus que deux. On y croit, on y croit. Plus qu'un. Wouh! Génial. T'es tout seul, poteau. C'est géré. Oh lolo. Oh, quelle classe. Bon, par contre, je veux du soin. Hein. Absolument. Oh, s'ils en mettent pas en même temps, c'est dégueulasse. Hein. Ah yes, j'en vois une. Ah, ça va beaucoup mieux. Tout de suite, on respire. Hein. C'est terrible. Je garde quand même mon arme au cas où. Une deuxième. Ah, oh, j'aurais dû la garder, je suis con. Oh, attends, attends, attends. Excusez-moi. Alors, Marc, tu me diras, ça me permet de me faire une petite pause, le fait de passer sur le menu. Mon foutu les jetons. Et que ça saute. T'es avec moi, toi aussi? Otage secouru. Restez, suivre. Vas-y, suis-moi. Je suppose que mon autre otage est mort. Ouais. Je pense plutôt bien supposer. Pourquoi c'est orange, là? Je sais pas. Bon. Ah, mais c'est bon, on a les 10, au fait. Ah ouais, on a les 10. Bah écoutez, on peut y aller. Il est un petit peu dans le sol, lui. Apparemment, par contre, l'otage, il... Ouais, s'il arrive... Ça sert à quoi en fait? Bon, il peut nous aider peut-être pendant un laps de temps. Ouais, je pense que c'est ça. Drogue embarquée, fuyez en haute mer. Là, il faut juste se tirer quoi. D'accord. Bon, tu te doutes que sur le chemin du retour, ça va être l'enfer, bien sûr. Hein. Allez. On y va. Forcément, on se grouille parce qu'en plus le bateau, ça doit pas être un truc très costaud. Là, faut vraiment pas traîner. Faut accélérer, pied au plancher. Et t'arrêtes plus. Ah, il y a un petit côté Far Cry 2 aussi, vite fait. Non. Vas-y. Continue. T'es presque dehors. Wouhou. Oula. Bon, je pense que c'est bon. Ouais. Et voilà. Allez au dock sous la plantation du marchand de sable. Ok, c'est pas encore fini, donc. Ah, il faut survivre jusqu'à là-bas. Attends, est-ce que c'est... Ouais, faut faire le tour, je vois. C'est pas à côté non plus, mais ça devrait le faire. Eh bien écoutez, c'était quand même une sacrée mission, je pensais pas que ça durerait autant de temps. Bon, il faut dire que j'ai peut-être pris mon temps aussi. Alors l'avantage, c'est qu'on peut réparer son bateau en plus. Tu vois, il y a des petites clés de temps en temps sur la carte. Et ben, c'est des endroits où justement, on s'arrête dessus et ça répare automatiquement le bateau. D'où tu me traites de bâtard. Ok, ça c'est fait. Quelle mission, mesdames, messieurs, on gagne plus d'un million en réputation, c'est mérité, je pense. Un petit peu de fric? Non, pas d'argent. Tant pis. Allez, je sauvegarde. Hop, hop, hop. Et après, je suis curieux de voir quelle sera la prochaine mission. Peut-être l'ultime mission. Ah, il y en a une juste à côté, tiens. Voyons voir, qu'est-ce que c'est? Le marchand de sable. Acheter la plantation. Ah, d'accord, j'avais oublié ce petit détail. Ok. Eh ben, écoutez, tout de suite. À ce qu'il y a de bien, c'est que le jeu est intelligent parce qu'il te fait venir à un endroit, parce que la mission est justement ici, quoi. Ça c'est bien. On peut enchaîner easy. Tony, it's good to see you. How are you? Could use a fucking vacation, man. But as long as that fuck saucer lives, I can never rest. I know that. I want this for you, Tony. I do. You have done a lot for me, and now it's about time that I help you. What you got in mind, man? I want to sell my plantation to you, Tony. You can own the biggest source of product this side of Colombia. You got the support system in place and you own Miami. This would ensure that you have a constant, secure supply. It will complete your empire and allow you to focus on what's really important. Sosa. This is good, man. Real good.
It's been a pleasure doing business with you, okay? Good luck, Tony. Par contre, ça va me coûter combien? Oh mon dieu, j'ai 31 millions. J'espère que je vais pouvoir me la payer. Mais je suis pas sûr. Ah non, ok, faut augmenter en réputation et après peut-être qu'on pourra lui acheter. À voir comment ça se passe. Donc, on va acheter, mesdames, messieurs, quelques objets exotiques. Bah oui. Alors, garage. Est-ce qu'il nous reste quelques voitures? Parce que ça, je sais que ça rapporte énormément en réputation. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on n'a pas acheté? Ça, on l'a déjà. Oh, 10 millions. Whisky Ghost. Ah, mais le truc, c'est qu'après, t'es bien gentil. Déjà, je prends ça. 200 000. Ok. Bulldozer, je prends. 100 000. Bodox. J'ai un peu peur de pas avoir assez de sous pour terminer le jeu aujourd'hui en vrai. 400 000, ouais. 10 millions, Whisky Ghost. 2 millions de réputation? Attends, et on n'a pas encore ce qu'il faut? Mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. A chaque fois, je suis surpris du nombre de points qu'il nous faut. C'est dingue, mais j'ai plus à avoir de cash, hein. On va pas pouvoir augmenter en réputation, il me manque du cash. À mon avis, hein. Alors attends, on va jusqu'au bout. Qu'est-ce que je n'ai pas acheté? Bah, j'ai tout pris en véhicule. Ok. En gare à bateau, qu'est-ce que j'ai pas pris? Ouais, il y a juste celui-là, 4 millions, le yacht! Ah, bien! Bim, 1 million en plus! Maison, il me semble qu'on avait tout pris. Ouais. Objet unique, bon, il nous manque quelques trucs. 16 millions. J'ai plus que 9 millions! Oh! C'est ouf! Attends, je vais essayer de prendre des petits trucs. Hein. Ouais, je vais essayer de prendre des petits trucs. Je me doute que ça va jamais suffire. Mais petit à petit, peut-être qu'on va arriver à quelque chose, hein. Sait-on jamais? Je prends tous les petits trucs, ok? Je prends tous les petits trucs et on verra comment ça se passe. Machine à sous, le sofa, le poker. Niveau décor, qu'est-ce qu'on a? Pélican. Je m'en fous, je prends tout, les gars. Je vous le dis, je prends tout. 1 million. Oui, la réputation a augmenté, il me reste 7 700 000, j'ai plus grand chose. Hein. Ah, faut aller au Venus Bar? Ah mais oui, c'est vrai qu'on avait déjà pris un niveau ici, j'avais oublié. Il y a la maison, le manoir, et le Venus Bar, pour augmenter. Allez. Est-ce que c'est le niveau final? Je pense bien, hein, niveau 8. Non, on doit avoir le niveau 9 aussi. Pas impossible. Tous les objets exotiques sont déverrouillés, tous les fournisseurs sont déverrouillés, et toutes les armes déverrouillées. Quoique, c'est peut-être le niveau final. Le monde se souviendra de votre nom. Oui. You should have died a long time ago, Tony. You want a war with me, you fucking little monkey? I'll give you a war you will never forget. This phone call is over, man. Là, je pense effectivement qu'on a débloqué la mission finale. Ouais. Alors, viens voir. Sosa, exactement. Allez, bah écoutez, tuez Sosa. Une mission relativement claire. Ah oui, c'est vrai qu'on avait une distribution là. Et donc ça se passe à North Beach. Très bien. Nous allons bien sûr activer la mission. Et on y va tout de suite. Il y a un port, on peut se déporter. Oui monsieur. C'est parti. Je tombe. Je suis en train de tomber, mais heureusement, on va pouvoir s'envoler. Donc. On va donc, logiquement... Ah mais c'est vraiment juste à côté en plus. Hein. Ouais. North Beach, dock. Ah ouais, on change de tenue et regarde, c'est là-bas. Ça va être terrible. Quoique, je prends un bateau. Bah ouais, on s'embête pas. Allez, nouveau bateau, on va prendre le yacht, tiens, qu'on vient d'acheter. Pourquoi pas? À mon avis, il est magnifique. Hein. Par contre, il a l'air pas très rapide, effectivement. Un blindage pas énorme, c'est vraiment pour le voyage. Oh là, il est tellement gros qu'il arrête. Oh, oh là, oh là. Il se soulève. Mais calme-toi. Oh, il est énorme. Ah ouais. Par contre, c'est pas un bateau pour combattre ou autre, hein. Il est tellement énorme que la caméra a du mal à le mesurer, tu sais. A du mal à le capter. Bon, voilà. Je me serais embêté à prendre une voiture et tout. Restons sur la voie des eaux. La voie marine. Allez. Attention, ça va faire mal. Voici, je pense, la mission finale. Ah oui, c'est la maison de Sosa, ça. On dirait. Gentlemen, I wish to discuss something that is of interest to all of us here. I have a problem. We have a problem. Get to the point, Alex. Montana's been a fly on our shit ever since you sent your hit squad to Miami.
Since then, he's been on a goddamn mission to personally fuck us in the ass. Yes. Well, I might remind you that you haven't been any more successful at taking care of Montana than I have, Mr. Gomez. Hey, I never had a problem with him until you stirred the pot. I hold you responsible, Alex. And the only reason I'm here is to make sure that I get a deal out of this. Ah, fuck. Why don't you two stop bickering about who fucked up where and put your money where your mouth is? Sosa, you have connections with the military here. Give them some money and roll some tanks on the prick. Come on. Do you believe our friends in Washington would approve of Bolivian tanks on the streets of Miami, George? Fuck Washington. I got them in my back pocket. A few greenbacks spread to the right hand, you make them look the other way for a day, never hurt anybody. Jesus Christ, you fucking lawyers are all the same. Montana has declared war on everybody in Miami, and he's obviously not going to stop until he steps into this goddamn living room. Et c'est parti! Ah mais non, attends, j'ai que le deagle. Ouais, c'est pas ouf ça par contre. Ah d'accord, on va devoir récupérer. Ouais, c'est ça. On avait une autre mission aussi qui était comme ça, c'est on devait récupérer les armes au fur et à mesure sur les corps. Oh mon dieu, un bazooka. Ah bah attends, c'est la mission finale. Normal. On va se planquer, hein. Ouais, si on peut, autant soit à l'abri. J'adore ce style de mission en vrai. C'est super fun. Alors, c'est fun, mais en même temps, c'est contraignant. Parce qu'on n'a pas du tout notre équipement habituel. Et c'est fait exprès, c'est pour nous mettre en danger. Et à mon avis, c'est aussi pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité, dans le sens où la mission serait quand même dure. Même si t'as un équipement de dingue, que t'as toutes les armes et ainsi de suite. Et qui te laisse avec le minimum. Donc mission obligatoirement avec un certain challenge. Et tu me diras, c'est pas plus mal. Allez. Oh, je sens qu'on va en chier. Hein. Oh là là. Je sens qu'on va en chier des bulles carrées. Donc on a un petit soin derrière, ouais. On peut récupérer des munitions sur les victimes. Ça c'est sûr. Ok, j'en ai vu un qui était par là. J'attends qu'il arrive vraiment sur moi. S'il a les colonnes. Il arrive. Ouh, tu t'es enfin décidé, mon loulou. Approche, approche. Ah bah écoutez, vous savez quoi? Je pense qu'on va faire toute la mission ici. Hein. On est bien à l'abri. Ah, aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, c'est la solution défensive. Parfois, c'est solution bourrine, offensive. Parfois, on est vraiment sur la défensive. Attends, on se fait des petits à-coups. C'est pas mal. Ouais, c'est que j'en vois qu'ils sont toujours au milieu là, ça m'inquiète. Ça y est, ils se déplacent, ils bougent. Sors de là. Sors de là, petit. J'ai bien envie d'accélérer un peu là-haut. Ouais, ils sont là-haut, ok. J'essaie de reconnaître le terrain. Ok, ceux du milieu, ils déplacent un peu. C'est très bon pour nous. Parce que moins il y en a, plus je peux y aller. Là pour l'instant, ça reste délicat, je pense. Au milieu, c'est bon, on a fait le ménage. Oula, mais ils sont tous là-bas. T'as pas une grenade, frère? Un truc? En vrai, ce serait bien une grenade, là, non? Attends. Peut-être ceux-là, là. Oh là là. Alors, ma vie, tout va bien, hein, mais c'est vrai que quand je vois tout plus monde, je m'inquiète. Je pense qu'on peut mourir en 3 secondes et demie. Hein. Vraiment. J'ai quand même bien envie d'activer le mode rage, je t'avoue. T'as vu les munitions qui sautent, c'est marrant. Rein gauche. Ah, il se déplace. Il se déplace. J'ai que 9 munitions. Oh, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe à ça. Je pense que je vais activer. Bah non, activer le mode rage alors que j'ai pas de munitions, c'est complètement con. Il me reste 4 munitions de Deagle. Ça tombe bien, il me semble qu'ils sont à peu près ce nombre là au sol là. Ah. Ouais, il n'y a plus qu'un au sol, c'est bien, après je m'avance et je peux récupérer les mules sur eux. C'est bien. Là j'en récupère. Vas-y, nice, recharge. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça va. Ah ah ah, la queue le. C'est une exécution.
Ok. Bon, ça c'est géré. Je vais récupérer, je pense, des munitions aussi sur les mecs là-haut. Je vais aller prendre la trousse de soins qu'on a ici. Comme ça, au moins, on sera à 100%. Voilà, et on va essayer de rester le plus haut possible à chaque fois, parce que je stresse, moi, dès qu'on descend. Mais à mon avis, on n'aura pas toujours des couvertures comme on a eu là. Hein. Ça, c'est clair et net. Là, t'aurais des munitions aussi. Ouais, pas grand-chose par là. C'est pas grave. Et apparemment, l'objectif est là. Plus de munitions de Deagle. On a tout pris. Et puis, je pense pas que les autres ont cette arme. Tony, baby, hey, come on, you need to think about this. You gotta think a little more. Fuck you, George, you fucking worm. Put the fucking gun away. What are you, crazy? Why are you... Are you on drugs? Well, yeah, I guess. Okay, well... Prepare to fucking die! Réfléchir? À quoi bon? Ça ne sert à rien. Pas de mission. Je voulais le tuer au Deagle, mais j'avais oublié que j'en avais plus. Fuck me in the ass. This is my law, George! Je pense qu'il a compris. Alors. Oh, le bazooka. Donc ça nous fait Deagle qui sert à rien vu qu'il n'y a plus de munitions, AK-47, et une munition à peine de bazooka. Eh ben dis donc, ça va pas chier bien loin pour l'instant. Le fait de ne pas avoir notre équipement habituel nous handicape pas mal. Allez. Par là, qu'est-ce qu'on a? Une autre trousse de soins. Ouais, c'est logique, il y en a une là-bas. Donc il y en a une ici. Pas étonnant. Là, il n'y a rien. Faites un trou, faites sauter. Ah, d'accord. C'est bon avec le bazooka. Je pense, hein. Attends, je m'écarte un peu. Je préfère. On sait jamais. Par contre, là, je sens que les ennemis vont arriver. Yes, ça fait le trou. Personne? D'accord. Et en plus, j'ai ma jauge rage. Ça, c'est bien. Holy shit, Montana, how the fuck did you get here? How many babies have you eaten today, Gaspar, huh? Babies? What the fuck are you talking about? You still fucked up on your own supply? You fucking addict. You have no respect for this business. All I care about is Sosa's head on a platter to serve to the fucking dogs. Allez, je vais te tuer. Oh, il fuit. Eh, forcément, tu pouvais... Oh putain. Tu pouvais être sûr que j'allais avoir le comité d'accueil. Ça va être tendu là-bas. Il y en a de partout. Ok, bouge. Aïe, aïe, aïe. Aux abris. Bon, là, on est bien. Allez, venez tous. Solution défensive. Ça saigne. Hein. Même pas peur. Allez. À la queue le... Oh non, il me tire en étant à couvert, cet enfoiré. Est-ce que c'est infini, les ennemis? C'est une vraie question. Lui m'a fait mal. Hein. Oh putain! Mais je suis con ou quoi? Attends. En vrai, je suis un peu coincé là. En vrai... Ouais, je suis assez coincé. Oh mes dieux! Je le vois pleurer, hein. Ah, j'avance. Hein. Wow. On va essayer d'aller de l'autre côté. Oula, 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 oula. Calmez-vous. C'est l'enfer. Oula. Ah, c'est un fusil à pompe, ça, par contre. Ah ouais, ils ont des fusils à pompe, ça, c'est bien. Je veux. Attends. Non. Attends. Je crois qu'on a le mode rage, hein. C'est l'enfer. Je récupère le fusil à pompe dès que je peux. Chaque chose en son temps. Ça, c'est ouf. Ah, cette mission. Le problème, c'est que si c'est infini, on est pas sorti de l'auberge. Ça rentre tout le temps. Mais arrêtez. Putain. J'arrive pas à récupérer le pompe. Je sais qu'il y en avait un, hein. Voire 2-3 même. C'est chiant. Allez, venez. Allez, venez. Ah mais il y en a tout le temps. Non, il y en a tout le temps. Pas normal ça. Pas
pas normal ça les amis. Je vais devoir activer le mode rage. Hein. Si je veux avancer, je dois activer le mode rage. Point barre. Tant pis pour le pompe, hein. Ouais, allez. Tant pis pour le pompe. Ouf. Oh là là. Putain, mais recharge pas en plein milieu d'une fusillade. Oh là 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 là. Puis alors ça va débarquer là aussi. Mais c'est ouf. Mais vous êtes des ouf. Punaise. Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. Il est là. Oh putain, attention. Non, 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 non. Ah. Mais putain, le menu. Mais what? Je vais crever? Mais c'est dingo. Alors pour info, je suis mort, hein. Mais je reprends ici. C'est un truc de ouf. J'ai recommencé 3 fois. C'est quoi ce délire? S'il vous plaît. Des ennemis partout. C'est une mission infernale. Ah, je comprends quand on me disait que le jeu était dur. En fait, il est surtout dur pour son ultime mission, quoi. Mais attends, mais... Non. Là, ok, moi, je... Parce qu'en fait, ça arrive aussi par derrière. Tu vois un peu le, la difficulté du truc? C'est, ça arrive tout le temps par derrière. Par en bas, de tous les côtés, quoi. On se fait enfiler à mort. Pas de choix, allez. Ah, je le vois, il est là. Reste ici, bâtard. Ah ben voilà. It's over, Gaspar. It's over for you now. You hear? Nom d'un chien. Ouais, ben c'est pas fini en plus. Ok, ok, fonce. So, how's this going to work, Tony? How do we solve our problem? You're going to die, Alex, for everything you've done in your entire life. What about what you did? I told you not to fuck me, and you did, Tony. There were kids in the fucking car, Alex! Innocent kids, huh? What kind of animals you got working for you? I want to clear something up with you, Tony, before I kill you. When you move 400 kilos a month, it's imperative that you do kill children. That way, heroes don't get confused and go on 60 minutes. They instead crawl back into the hole they came from. Hey, Sosa! Maybe it's time for you to make that call, huh? My little... Okay! You like that? Come on! No, motherfucker! You fuck with me! You fuck it with the man! Have a nice trip, Sosa! You stupid fuck! You see? I knew there wasn't a shortage of platters. Let me live, Tony. I need to support my family. It's all I got. Hey, look at me. I want to see your eyes. It's the truth. I swear. Please. You want a job, man? Ah, look at this bullshit! Who deserves to be on TV? Me! That's who! Who should be on every fucking magazine cover? Me! Fat man! Me! You got that right, baby. Vodka for Venus, gin for Tony. Hey, thanks, Manny. And you don't mind if I call you Manny, do you? Call me whatever you want, Tony. Okay, how about stupid fuck? How you like that, huh? Just kidding, Manny. You know, the world is yours, Chico. And everything in it. So say goodnight to the bad guy. Wow. Les références au film, bien sûr. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de Scarface. The World,
is yours, le monde est à vous. Avec ce thème, The World is Yours, justement, tellement réussi. Par contre, ils l'ont pas laissé longtemps. Hein. Toujours ce petit coup de nostalgie dans la tronche. Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Eh ben écoutez, mesdames, messieurs, on a terminé le jeu. Ouais. On a tué Sosa. On a tué Gaspar Gomez. On s'est régalé. Par contre, la mission finale, j'avoue que... Oh, comme elle était dure. Attends, on est où, là? On est au... Ouais, on est au manoir. Eh, mais d'ailleurs, il n'y a pas eu de générique. Eh non. Attends, t'es sûr qu'on a fini? Je vérifie. Ah ouais, il n'y a plus de mission. Non, mais c'est bon. Eh bien, écoutez, les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour cette série sur Scarface. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré incarner Tony Montana. On retrouve bien son caractère hein, par rapport au film. Je trouve que la licence était bien exploitée, même si, encore une fois, aujourd'hui, on pourrait tout à fait faire un remake. Après, c'est une question de gros sous, mais on pourrait tout à fait faire un remake avec de meilleures cinématiques, avec un nouveau gameplay, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu vieilli. Mais honnêtement, pour l'époque, je trouve qu'il est très bon. J'ai une petite préférence, si je puis me permettre, j'ai une petite préférence pour le Parrain 1 en Don Edition sur PS3, qu'on a fait également sur la chaîne. J'ai une petite préférence pour celui-ci. Par contre, le Parrain 2, je trouve, est moins bon que Scarface. Voilà. Bon, je ne comparerai pas au GTA, hein. Je ne ferai pas cet affront parce que GTA, pour moi, c'est la vie. Hein. GTA, c'est la base. On ne peut pas comparer avec le maître. C'est impossible. Par contre, Scarface, The World is Yours, le jeu, honnêtement, pour tous ceux qui aiment le GTA-like et qui aiment surtout l'univers de Scarface, bah, il est absolument à faire parce que ça reste un bon jeu qui était sorti à l'époque sur PS2. Hein. Moi, je l'avais fait sur PS2. La première Xbox, même si je l'avais jamais terminé, voilà pour être franc. C'est pour ça que j'étais un peu surpris par la mission finale. Et je l'ai pas trouvé si difficile que ça. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de plus dur parce qu'on m'a annoncé d'entrée Galax, tu vas en chier. Bah, finalement, en dehors de la mission finale, bon, ça allait quoi. Il y avait quelques moments un peu chauds où fallait faire attention, fallait être sur la défensive. Mais sinon, ça va quoi. Bref, moi je trouve que c'est un bon jeu et si vous avez aimé le film, ça vous fera forcément plaisir de faire le jeu. Parce qu'il y a les références, on retrouve les différents lieux et ainsi de suite, c'est trop cool. Bref, merci à tous, on se retrouve bientôt mesdames, messieurs, pour une nouvelle série sur la chaîne dès mardi. Normalement, on aura le DLC donc de Dragon Ball Z Kakarot, mais surtout, on aura un nouveau let's play sur SnowRunner. SnowRunner qui est la suite de MudRunner, avec cette fois-ci l'Alaska. Et donc, la neige, la glace. Trop bien. Merci à tous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette série vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et à très bientôt. Ciao, ciao.